Oui, Les gens. il est là et bien là, donc c'est ça qui est le plus important. Là, on va pas se cacher que il y a des contacts que lui il a établi avec ou Lille a établi avec lui, peu importe hein, dans quel sens, mais il y a des contacts, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il est là avec nous et bien là, il sera donc présent demain sur la pelouse pour jouer ce match face à Lille. Si on me pose la question, Ludo il part pas, hein, il reste là. Hein. Faut éviter de me la poser la question. De toute façon, le plus important, ce sont les discussions que j'ai avec lui. Donc, et aujourd'hui, on a une discussion et il m'a certifié, puis surtout moi, confirmé ce que je pensais, c'est qu'il a envie de jouer ce match-là. Il a envie, donc surtout, donc qu'aujourd'hui, on ne lui parle pas, donc de ce qui se passe aujourd'hui. Dans les contacts qu'il a avec Lille, ça c'est d'ordre privé dans le sens où il a un travail à faire et aujourd'hui donc il sait que demain il y a un match à jouer et puis surtout il y a un match à gagner contre Lille. C'est quand même particulier de jouer un match contre quasiment son futur club quelques jours après. Mais pourquoi vous dites que ça en fait dire au club? Parce que ses contacts sont bien avancés. Oui. Il y a plein de contacts. Dans le passé, il y avait des joueurs qui avaient des contacts avancés, puis des fois ça aboutit, des fois ça n'a pas abouti. Hein. Donc nous, on n'en sait rien. Vous savez, moi j'ai un principe, c'est que des discussions, c'est comme Albon, tout le monde, ils ont reçu des contacts. Alors bien sûr que là, vous allez dire qu'ils sont bien avancés, oui. Un contrat, tant que ce n'est pas signé, il n'y a rien. Et la preuve, c'est que si j'ai bien compris, il y en a qui ont annoncé qu'il n'était plus avec nous ce week-end, non? Dans la salle, il n'y a personne qui a annoncé, non? Ah bon? Je sais pas, parce qu'hier j'ai cru comprendre que tout le monde était donc j'allais dire en panique. Voilà, où il y avait des gens qui annonçaient, des journalistes, là, mais je sais pas s'il n'y en a pas parmi vous là, qui seraient donc pas dans le groupe et qui seraient pas donc sur le terrain pour jouer face à Lille. Pour ça, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc il y a des contacts, oui. Après, est-ce que ça va aboutir? J'en sais rien. Non mais parce que nous on a entendu des choses, on a entendu, c'est arrivé forcément une fois donc à mes oreilles, j'avais l'impression que tout le monde avait annoncé que Ludo ne serait pas là. Mais lui il était là tous les jours, il s'entraînait, il était heureux. Et puis là aujourd'hui, on s'est parlé pour dire Ludo, dans quel état d'esprit tu es? Il m'a dit, coach, je suis à 100% donc disposé à jouer ce match. Vous voyez? Ça me suffit. Mais vous me posez la question de savoir si je dois donc aujourd'hui acter l'idée qu'il peut partir. Moi, il est Nantais, vous allez le voir demain, il va porter le maillot, il va jouer. J'espère qu'il va surtout donc être bon et qu'il va nous faire gagner le match demain. À un moment donné, je vais finir par dire non. Voilà. Si ça traîne. Après, je ne dis pas que moi j'ai les pleins pouvoirs. Mais si on me pose la question, je dirai non. Il faut éviter de me poser la question. C'est pour toi, il y a une deadline? Eh, il va finir, ouais, il y aura une deadline.